dark side. I wanna be your left hand man. Bon matin! Si vous avez pas écouté mon vlog d'hier, je suis à Toronto. Alors, ça a été une nuit vraiment bizarre parce que je dormais pas avec Anthony ni Jaden. C'était vraiment bizarre comme. Je me suis réveillée plein de fois parce que j'étais pas habituée d'être tout seule, puis je voulais pas dormir dans le noir total. J'ai laissé comme les rideaux ouverts, fait on voit pas là, il y a trop. En tout cas, on voyait genre toutes les lumières des buildings. Je dormais mieux de même, puis ce matin j'ai genre fermé je sais pas. Ce matin j'ai fermé les rideaux pour continuer de dormir, fait que je me suis réveillée à 9h, mais en fait je me suis réveillée comme à 6h, à 7h, à 8h. J'ai pas resté jusqu'à 9h. Alors là, il est présentement 9h56. Alors je vais rejoindre David de Lush à la réception de l'hôtel. On va aller déjeuner ensemble. Puis on a la chambre jusqu'à midi. Alors il m'a dit que je pouvais laisser les choses, mais comme à midi, on va partir pour l'usine de chez Lush. Alors. Je vais faire un outfit of the day, mais sérieux, attendez, il doit y avoir d'autres lumières ici. Même jeans qu'hier, parce que je voulais pas traîner plein de choses, là. J'ai ce chandail du Zara et mon choker du Aldo? Aldo Spring. Je vais mettre mes petites bottes. Là, je viens d'écrire à Julie. Parce que j'ai pas pensé à ça là, dans le fond moi je viens de tirer mon lait. Et oui. Mais là, je retirerai pas comme, c'est de midi à 4. Après on part à l'aéroport, puis après, ben tu sais, après je m'en vais direct chez moi en avion. Fait que j'ai comme pas de temps là de retirer mon lait. Fait que là il est, c'est ça, 10h mettons. J'ai tiré mon lait à mettons 9h45. Puis je vais comme allaiter Jaden en arrivant à 7h. Fait que j'aurais pas, je pourrais pas retirer mon lait d'ici là. Tu sais, j'emporte ma machine, mais si j'aurais eu la manuelle, tu sais, j'aurais pu le faire dans la toilette de l'aéroport, mettons. Mais là, j'ai mon électrique, tu sais. Puis, ça va être correct là. Mais j'ai demandé à Julie si elle avait des pattes d'allaitement jetables. J'en ai pas, genre, j'en ai juste mis comme la première semaine. Les premières semaines, parce que j'ai comme pas envie d'avoir des taches sur mon chandail, parce que je me dis que là ça va faire vraiment quand même longtemps, alors ça se pourrait. En tout cas, fait que c'est ça, le lit était vraiment confortable, puis la couverture aussi, puis regardez, c'est écrit que disponible exclusivement dans les grands magasins Simons au Canada et en ligne. C'est Anthony, mais pour la literie dans le fond. C'est Anthony, c'est Anthony, c'est Anthony. Allô Anthony? C'est Anthony? Je suis en train de bloquer. Je conduis. Tu conduisais? Ah, oh, c'est pour ça que tu peux pas me répondre. J'étais gonflé le pneu. Ok. Dans le fond, il y a des gonflés. Je voulais vous dire, Anthony vient de m'appeler là. Puis, toute la nuit, okay, Jaden y a dormi. Je vais vous montrer la photo là. Regardez ça. Vous voyez, il a mis comme. Tu sais, Anthony dormait à côté, puis il a mis une oreiller. Mais il dit, il replaçait là, mettons sur le dos. Puis il retournait toujours pour se coucher, genre sur l'oreiller, comme si c'était moi. Puis il a mis genre mon chandail à côté. C'est tellement cute. Petit poussin. Puis on a fait. Je vais mettre mes bottes en parlant là. On a fait. Genre FaceTime. Puis, genre, il arrêtait pas de vouloir prendre le téléphone. Puis, il touchait à l'écran. Genre, puis, ce matin, il a pleuré en me voyant. Il faisait pitié. Tu sais, genre, il comprend pas, là. Genre, il m'entend. Puis, il me voit, mais genre, je suis pas là. Puis, il m'a fait pareil. Il m'entendait hier dans la caméra. Puis là, elle a commencé à faire son. J'allais le faire. Son bruit là qu'il a fait quand on arrive, mais elle arrêtait pas de le faire parce qu'elle m'entendait mais me voyait pas. C'est quand même drôle. Donc je descends. À tantôt. Là on est dans un petit café.
Je suis couchée dans le lit qui est tellement confortable. Ok, il est 11h27. On va se parler comme ça. On a été déjeuner, puis on a été dans un petit café et David a acheté des choses pour... Oh, je viens de voir que ma lentille est sale. Et il a acheté des choses pour cet après-midi. Puis c'est ça, je suis full contente. Puis je suis même pas encore été à l'usine. C'est une belle journée. Et en plus, c'est ça, et je pense que c'est pas très beau, mais en fin de compte, il fait beau. Donc, c'est pas ça, j'ai eu le temps de retirer mon lait. Je viens de retirer mon lait, mais comme ça, je me suis dit, ça sera peut-être moins pire cet après-midi. Puis, là, mon téléphone est chargé. Et tout est prêt, là. Il est 11h30, fait qu'on va se rejoindre comme à moins 5 en bas. Puis après, on va partir. J'ai hâte. J'ai full hâte. Ah, c'est ça. Hier, j'ai mis mon vlog en ligne par rapport à peut-être qu'on changeait d'auto. Puis je pense que je me suis peut-être mal exprimée sur quelque chose. J'ai dit, ah, on a une auto 2012. Puis, tu sais, il va commencer à avoir des problèmes. Mais je voulais pas dire comme des problèmes avec l'auto. Ce que je voulais dire, c'est il y a de l'usure normale qui se fait avec une voiture. Puis 2012, dans le fond, elle a 4, mais non, en fait, elle a 5 ans parce que la 2012, elle sort genre en 2011. En tout cas, je sais pas si vous comprenez, là. Mais il y a une usure normale qui se fait avec une voiture. Puis il y a des choses comme, supposons, bientôt, il y a les freins qu'il faut changer, tu sais, des trucs comme ça. Tu sais, qu'il faut changer. Puis que c'est sûr que normalement, avant 4 ans, tu n'as pas des problèmes avec ton auto, mais il peut y avoir des choses normales à changer avec le temps. Puis c'est qu'en fait, en changeant de voiture, en la vendant maintenant, on pouvait peut-être, on pouvait avoir, mettons, supposons on aurait pris une Elantra, là, j'aurais eu les mêmes paiements aux deux semaines, exactement la même chose que avec mon Elantra 2012, sauf que j'aurais une Elantra 2016 avec les mêmes paiements. Je sais pas si vous comprenez, fait que ça valait la peine. Mais tu sais, supposons si on attendait dans quelques années, mais oubliez ça, dans quelques années, on est mieux de garder l'auto. Je sais pas si vous comprenez, là. Dans le sens que si je la vends, ben là, c'est sûr que dans quelques années, pas elle vaudra plus rien, non. Elle va valoir quelque chose, mais elle va valoir pas grand chose, là, non plus. Fait que, on serait mieux, tant qu'à faire, de la garder. En tout cas, je sais pas si c'est clair, là, mais c'est vraiment pas que je disais que c'était vieux, parce que pour de vrai, c'est pas vieux, 2012, là, c'est juste, c'est ça, tu sais, c'était quand même une opportunité bien. Puis, en tout cas, ça nous a donné envie de changer d'auto pour une voiture qui est un peu plus grande, surtout le coffre, je vous dirais. Parce que l'Elantra, le coffre est grand. Il est grand, le coffre de l'Elantra, mais il est pas fait pour une poussette. Mettons, il est grand, profond. Même si ça paraît pas, là, qu'une Elantra, ça a quand même un gros coffre. Mais ça a quand même un gros coffre, mais pas pour un carrosse. Puis c'est pas super pratique, une carrosse comme ça dedans. Alors, on voulait peut-être se changer pour une auto qui a plus de place. Donc, on va voir ça là, puis c'est pour de vrai, c'est pas grave, comme on peut ne pas changer d'auto là. Je disais pas que 2012 c'était vieux, parce que c'est pas vieux, c'est pas ça que je voulais dire. Mais je pense que je me suis mal exprimée, désolée. Regardez où qu'on est! David il se cache. Allô Julie! On est tout excités! Ok, regardez, c'est full beau! Ça sent loche en plus! Oh! On s'en va dedans, puis j'ai ma valise. The cool thing about this product is it takes quite a long time to make because there's all the different colors. So where our project usually have one face sticker on them, this is like so much teamwork that they put two. I feel like you're just going into a club. Wow. Cold in here. Hi.
produits qui sont prêts. This one has, I like to always touch on it, men's glitters. So our plastic-free glitter. We don't use any microplastics at Lush. And even glitters are usually, like craft glitters are plastic-based, so we don't use anything like that. It's all starch and sea. Ici, ils font les savons. Our body scrubs, our massage, our hair treatments, our hand treatments. Donc dans l'autre section, c'était vraiment comme les pains moussants. C'est fou la quantité de monde qui travaille sur un produit là. C'est fou. Ah, c'est vrai, c'est Christmas soap. It's not done yet. It's gonna get dusted with luster. This is snow castles. What do you kind of smell this one? This one's the scent that we have, our EC that we get made from the Lush UK, and they ship it over to us. So essential oils, it gives it the perfume or the scent, and c'est qu'ils font les gels douche, les revitalisants, les produits dans ce genre-là, comme là, vous pouvez voir les noms. Gardez la quantité. Ils sont en train de faire le shampoing baby, que vous savez que j'aime beaucoup. Oui, je l'aime. Donc, it's got cognac oil in it. It's very good. Yes, it's very good. Same fragrance as our Golden Wonder bath bomb. So this one has lactic acid in it, which is a very interesting thing. This acts as a natural exfoliant that the end in it, so it's called nutrition building for dogs. The lactic acid. Same scent as that that c'est les shampoings sea salt, Irish moss infusion and nori seaweed. C'est very nourishing for the hair and volumizing. Donc là on s'en va de l'autre côté. On sort de l'édifice qu'on était pour aller dans l'autre section où ils font les bombes pour le bain. So we gotta be careful. Puis qu'est-ce qu'ils disaient, c'est que ici ça sent quand même très très fort. Donc quand ils engagent du monde, tu sais, ils font faire le tour, puis ils viennent leur montrer pour voir si ils sont capables, c'est dans un environnement qui sent beaucoup mieux. Mon Dieu, moi j'adore ça. Cette bombe-là, je l'ai sentie hier. Elle sent vraiment bien, que j'aimais beaucoup hier. une bombe avec ça. Donc il y a la bombe qui tremble dans comme du fondant, comme tu peux voir. Oh wow, comme un fondant. Ça sent vraiment bon. On va le sentir ensemble? On va le sentir. Oh. Oh, j'aime vraiment l'odeur. Mais ça, c'est la bombe qui sent chérie, j'ai lavé les enfants. This is Shoot for the Stars. So we've had Shoot for the Stars for a few years now. We've had a few different designs, and this is the brand new design, which is So these bath bombs are made with cocoa butter, and then the plastic free glitter that we use. The bath bomb itself has the same fragrance as Honey I Wash My Kids soap. Elle disait qu'ils ont engagé 1360 personnes pour la période des fêtes, puis c'est environ 400 normalement. C'est fou, hein? C'est un Echo Baby Bond. C'est un bath bomb made for children. C'est un hôtel lavender.
toutes les bombes, là, comme vous pouvez voir, sont faites à la main. Fait que vous voyez ici, ils mélangent les deux couleurs. Ça donne la couleur bleu pâle. Après, il y a d'autres tables qui font les autres étapes. C'est fou. Wow. C'est le paradis. Is a type of surfactant. It's going to help to really help hold the bubble. It's going to give bubbles staying power. This is a bubble bar, but it's a moisturizing bubble bar. So similar to a bubble rune, which is a type of bubble bar that has extra power of bubbles and hydrating fruit. So we have two kinds of red. Our bath bombs now have bubble mix in them. Okay. And that's what gives them that ability to be all swirly. Because when you have a bath bomb that has bubble mix in it, it fizzes very, very slowly. So if you combine that with just a straight bath bomb that's just citric acid and sodium bicarbonate, then you have a fast fizzing bath bomb. Mm. So it's the combination that creates all the beautiful bath art that we have. Cream of tartar. So cream of tartar, interestingly enough, is tartaric acid, which is something that forms on the barrels when you're making wine. Mm-hmm. From the oak barrels, so they take that off and they're able to make cream of tartar. Mm-hmm. And then this one is cornstarch. So it's gonna soften the water, but it's also going to help keep the bars from puffing, and then our sodium bicarbonate, or baking soda, or pizza dough or anything. So if it came off the mixer, we couldn't just use it right away. This needs to rise. Without a doubt, no matter what we do, it's gonna rise, and then they have to keep punching it down, just like bread dough. And eventually, the team knows when it gets to the right consistency that they can actually. Ah, merci David. J'ai fait mon premier film sans, mais c'était pas un succès. J'ai bien aimé réussir. Ici, c'est avec amour. Oui. Par Julie, c'est un bonheur. Je sais pas si ça va être plus beau. Perfect. Oh, and what do we put this on? Je vais faire le dessous du. Regardez, c'est ça qu'on fait. You keep them on. Yes. Very pretty. Nice. So do you want us to do the whole batch? I mean, it's free work. As if they'll actually use that. Well, you never know. I think yay. Yay, bravo. Yay. I love it. It's like glycerin, but it's not meant to stay shelf stable for a long time. We want fresh face masks to be used as fresh as possible. Oh, uh-oh, they're strong and compounding. Water, so a very little amount of water. Holy smokes. This is only a 1 kilo batch. Is it special water or is it just measured? Just water, our water. One thing at Lush is that we don't like bottled water. We're really quite against it. This is a coloring agent. It's a very small quantity. This is called crocin. It comes from flowers. And it's a beautiful yellow color. Wow. Yeah. One of our natural colorants that we use. So those are the liquids, and then we have the money. I like to call this the money. This is the essential component. So these are the essential oil blends. So this is like secret recipe. Totally top secret. I've been to the UK fragrance room twice, and every time you are not allowed to have your phones, you can't have any cameras. You can ask to see components of your favorite fragrance, but they won't show you all the bits. It's very top secret. So one thing a lot of people don't know about Lush is that most companies purchase their fragrances from perfume houses. We are a perfume house. We create our own products. We create our own fragrances. Our two head perfumers are Mark Constantine and his son, Simon Constantine. And they create all the perfumes for our products. And then obviously our perfumes as well. That's good because you know what's in the perfumes, because the perfume companies, they don't have to say what are in the perfumes when they make it. And also Simon Constantine is the head of ethical buying. Oh. So he ensures that everything's as ethical as possible and as high quality as possible. Perfect. So those are our liquid ingredients. And you can already smell, if you take a whiff, it smells like
banana bread, cinnamon. Mm. You can smell the cinnamon. It's called cinnamon leaf. It's great. So this is a great one for the winter. It's very hydrating, and it's also very gently exfoliating. That happens with the use of the ground almonds. Mm. So ground almonds, super gentle, but also hydrating, because when you combine them with a little bit of water, they produce an almond milk, which is high. It's very moisturizing, but it's also high in vitamin E, so it's great for your skin. So just a small amount of banana. This is only a 1 kilo batch, so you can imagine they make about 160 kilos a day. Blend in these bananas until it's nice and smooth. Butter. Mm-hmm. And it, I still remember when we launched this because I absolutely fell in love with it. So we have a couple different dry ingredients. We have our kaolin. This is a type of clay, so this is nice and deep cleansing. It's also known as China clay. That's kaolin in most of our face masks. Then we have talc. Talc's gonna help to absorb any excess moisture, but it's also great for providing a nice consistency with the mask so it goes on smooth. And then we have the ground almonds for a light exfoliation. And then, do we have two? No, I got it all. And then, where should I put this? This is my favorite part. Look, it's got La bombe. Comment qu'elle s'appelle en français? C'est une nounours. Nounours, bande de caca. Ah, voilà. Là, on prend le mélange qui est ici, qui est brun, puis c'est pour faire le nez. Donc on va venir le mettre au bout. C'est un travail très précis. Ah! Ça prend la précision. Oui. Ouais. Plein de petits détails. C'est bien séparé. Voilà. Oui. Donc, c'est fini. Je capote. C'était vraiment le fun. T'sais, imaginez, moi qui adore Lush, faire des produits Lush puis tomber encore plus en amour avec Lush. Là, je pensais pas que ça se pouvait. Là. Mais t'sais, quand tu vois ce défait. Quand tu vois genre tout l'amour qui est, tu sais, tout le travail qu'un produit a, tu sais, tout le monde qui travaille sur un produit, c'est fou là, comme tout est vraiment fait à la main, tu sais, il n'y a pas de, tu sais, les collants sont collés à la main, c'est pas des machines, non, ici, c'est vraiment, en tout cas, j'adore ça, puis, tu sais, je me demande même pourquoi c'est pas genre plus cher que c'est maintenant là, tellement que ça prend du temps et tout là, faire les produits, fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vous ai montré, on a fait... Puis ça sent vraiment bon, ça sent la fraise. Qu'on a fait ça, le masque céréalement bon. Puis, c'est la bombe nounours qui est ici là. Puis, c'est ça, là, vous voyez, comme avec le reste, c'était le fait des gros morceaux qu'ils m'ont donné au staff. Puis, cette bombe-là, là, elle sent vraiment bon, je vous dis. Oh mon Dieu, j'aime beaucoup, là. C'est ça. Elle est comme trempée dans du fondant. Puis, ici, je vais vous montrer d'autres produits de Noël. Ça, c'est des roulades, là. Les roulades, c'est comme un. C'est un savon comme encore plus hydratant. Oh, il sent vraiment bon. Ça, là, ça sent comme lait de poule. Genre de l'an passé. Celui-là, c'est genre à la menthe, là. C'est comme canne à bonbons. C'est super cute. Donc, j'étais vraiment contente d'avoir pu passer ce moment ici. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu venir ici, là. Vous le savez, j'adore le show. Si vous écoutez ma chaîne depuis les débuts, là, comme, je sais pas, peut-être 7 ans, les premières vidéos, je parlais de Lush. Donc là, on est à l'aéroport. Et j'ai pris un fish and chip. Et regardez comment il est gros. Ouais. Allô tout le monde! On est dans le parking du métro. Je suis avec mon bébé d'amour. Qui vient de boire du lait. Puis, pendant que j'étais pas là, il a fait la grève de la faim. Il voulait presque pas boire de lait. Il voulait juste maman. Maman, 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 maman.
Puis quand il m'a vu, il était tout... un bébé. C'est fait chaud. Fait que... Ah, Anthony arrive. Fait que c'est ça. Je vais vous reparler demain. Parce que là, je vais profiter de la soirée avec mes amours. Alors, à demain! J'ai enlevé mon manteau. Il fait quand même chaud, là, pour vrai, aujourd'hui, c'est fou. Fait que je vais vous faire un tour de ma chambre d'hôtel. Et que, dans le fond...